touche pas ici, okay, parce que ça enregistre. Ok, ok, ok. Oh, tu me touches. Ok. Non, non, viens. Viens, prends ça, change profond. Je précise. Tu n'appuies rien, ça enregistre. Ouais, ouais, j'ai rien appuyé. Voilà. Bonjour, je suis le professeur Renaud Janissien Poukou, professeur des universités. Je suis professeur des universités francophones. Je suis professeur des universités et des facultés de droit de catholique du Vatican. Et je suis professeur des universités britanniques de la Commonwealth. Et je suis aussi auteur, je suis propriétaire du programme des Nations Unies. La science pour tous, la science pour tous. Allez, vous venez voir ça. Science pour tous. Donc vous pouvez voir, science pour... Nous sommes ici à l'Université de Genève. C'est un succès que les futures générations s'intéressent à la science. Et nous, la reine Elisabeth, d'ailleurs, la reine Elisabeth, nous avons amené la reine Elisabeth à s'intéresser à la science, avant même qu'elle ne meure. Alors je suis ici avec nos étudiants, est-ce que comment tu te présentes et tu nous expliques en quoi consiste, voilà. Ça marche. Alors moi c'est Ivan Lebert. Oui. On a une asso qui est en partenariat avec la CED. Oui. Nous notre but c'est de récolter des fonds pour aider les enfants du Bénin, ce nord de Candie, à avoir une formation scientifique. Oui. Une formation scientifique, et on va aussi former des professeurs. Oui. Avec l'argent récolté. Oui. Donc là, on organise une tombola. Je suis parti à la tombola, un ticket c'est 4 francs et tout l'argent récolté ce sera versé à la cause en fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est la science pour tous, c'est une science, c'est donner la possibilité aux futures générations, à cette génération d'exceller dans toutes les matières. Nous sommes professeurs de la médecine nucléaire et atomique et de l'éthique. Nous sommes professeurs des infrastructures. Nous sommes professeurs du journalisme, de la presse et des médias. Nous sommes professeurs des sciences et des technologies, des sciences biométriques, des satellites. Nous sommes auteurs d'ailleurs des futures voitures volantes. Nous sommes propriétaires d'ailleurs, oui, voitures volantes. Ah ouais. Donc nous avons battu le Uber américain pour créer des voitures volantes. Donc les taxis volantes, vous pouvez la connaître et tout ça, c'est là. Nous sommes auteurs donc de l'énergie solaire et des chargeurs de téléphone sur votre ceinture, la boucle de ceinture, vous mettez juste ici, ça charge. Voilà la science pour tous. Donc un succès planétaire de notre programme. Voyez-vous, donc je ne dépends pas ni des États-Unis, ni de cadre de la franc-maçonnerie, ni de quoi que ce soit. C'est là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Allons, nous encourageons à acheter le ticket de Tombola. Oui. Ok. Oui. Nous créons et les autres nous suivent. Donc achetez pour financer les enfants du Bénin, c'est une très bonne initiative d'ailleurs. Ouais, oui. Voyez-vous, les ouais. enfants du Bénin, leur donner la science. Parce que la science, c'est l'avenir. Ouais. La science, c'est l'avenir. Merci. Si je n'avais pas été en haut scientifique, aujourd'hui, je ne serais pas respecté. Je suis le premier docteur dans le monde entier en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques, le premier dans le monde. Je suis aussi, comme tout le monde le sait, officiellement élu secrétaire général des Nations Unies, mais un haut scientifique dans le monde. Merci. 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 Merci beaucoup.